Salut tout le monde, c'est Jolat et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Slime Rancher. Vous avez été nombreux à m'avoir laissé des astuces dans les commentaires. Et bah je vous en remercie tout simplement, c'est super cool. Alors du coup j'ai tellement lu d'astuces que j'espère que je vais pas en oublier la moitié in-game. Mais ça devrait le faire. Ok, on va reprendre la partie Slime Rancher épisode 2. Ok, ben on est donc reparti sur notre ranch. Alors comme vous voyez, ça a légèrement évolué. Disons que ici j'ai un petit jardin avec 2-3 carottes, une petite cage avec un panneau solaire, ça c'est pour renfermer les lumineux. D'ailleurs merci à tous de m'avoir laissé des astuces. Donc bien sûr, si ça a avancé comme ça, c'est parce que hier soir, ben on était en live sur Twitch. Et du coup on a pas mal joué à Slime Rancher. On a fait un petit peu de Slime Rancher, on a fait du scrap mécanique, on a testé le dernier Naruto aussi. Donc eh bien merci à tous ceux qui étaient là hier soir. Si vous voulez me retrouver en live, le lien est dans la description. Donc aussi vous m'avez dit, oh putain ils sont malades, regardez ils sont complètement malades, ils ont la bave aux lèvres. Donc si je les nourris pas assez apparemment ils se transforment en tard. Ces espèces de machins gris qui bouffent tout. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher de la bouffe les gars. Mais non je vous ai pas montré, attendez, j'ai fait un incinérateur aussi. Regardez, c'est super cool ça. Je prends par exemple des slimes et au revoir, salut. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, je peux par exemple brûler les machins gris. Par contre ça je vais prendre des diamants, ils m'ont laissé des diamants, je prends. Donc alors du coup le jardin je crois que c'est toutes les 60 heures. Bon bah là par exemple à ce que je vois ça a tourné même pendant que j'étais pas là. Même pendant que le jeu était éteint ça a tourné quand même. Donc c'est plutôt cool. Je l'avais acheté hier soir ça, le petit jardin. Ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher de la nourriture je pense. Attends, avant... je vais aller vendre les diamants roses. Parce qu'il y a tellement de trucs à gérer dans le jeu, des fois je me perds. C'est ça le truc. Le principe n'est pas tellement dur à comprendre. Il est assez simple à comprendre le principe. Mais par contre, faut gérer quand même plein de trucs. Et donc aussi hier soir, j'ai eu des petites astuces sur Twitch également. On m'avait dit qu'il y a des jours, les diamants valent plus cher que d'autres jours. Et effectivement, ça c'est vérifié. Des fois les diamants roses valent 7, des fois ils valent 5, comme là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller... ah bah regardez, il y a du diamant, il y a du diamant. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je pense qu'on va partir en exploration, un petit peu. Et on va plutôt aller chercher des slimes qui valent un peu plus cher. Qui donnent plus de diamants, voyez-vous. Toi, laisse mes carottes tranquilles. J'en ai besoin. T'inquiète pas, je reviendrai. Ça, tac. Du poulet, je prends. On peut également faire un poulailler. Ça, ça va être super aussi. Ceux-là. Voilà, ceux-là, je vais les prendre. Attends, ceux-là, les roses. Ça, ça dégage. Je vais prendre les luminescents. Eux, ils donnent des diamants qui valent plus cher. Viens ici, mon petit. Viens ici, mon petit. Il est où? Ah, mais il est parti, là. Viens ici. Voilà, impeccable. Je vais continuer à prendre des carottes. Non, non, non. Laissez ça, les gars. Laissez ça, c'est pour papa. Ça, c'est parfait. Des diamants en rose. Je suis plein en diamants roses. Donc ça, c'est parfait. On va essayer de partir un petit peu plus loin en exploration. Donc je sais qu'il y a d'autres races de slim apparemment. Alors vous m'avez laissé plein de surnoms dans les commentaires. Notamment un surnom qui me plaît plutôt bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, appelle-les les Pokémon roses. Eh ben, ça me va bien moi les Pokémon roses, regardez. En plus, ils ont des têtes de Pokémon. Non? Un petit peu quand même, hein. Toi, tu dégages. Tu me laisses tranquille. Illuminescent. Ah, la source d'eau aussi. Yes. Alors il y a la source d'eau également. Tiens, illuminescent. Viens ici, toi. Ça, tu vas venir avec papa, toi? Ah non, t'es trop large, dégage. Oh, quand il y a la musique des méchants. Voilà, regardez. Alors eux, apparemment, on peut les tuer avec des sources d'eau, vous m'avez dit. Ouh, ça par contre. Ça, moi, je veux bien le prendre, ça. Hein. Je suis prêt à sacrifier quoi? Merde, je vais rien sacrifier. Voilà, on a de l'eau, les slim gris, on peut les tuer avec de l'eau. Ceux-là, là. Les tards. Tiens, dégage, toi. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à ma base de Pokémon Rose, justement. Et je vais aller nourrir mes trucs. Ah oui! Mais oui, je vous ai pas dit aussi, c'est vrai. Je l'ai acheté hier soir, ça aussi. J'ai acheté un petit jetpack. Regardez, je vais vous montrer. Attendez, j'attends que ça se recharge. Impeccable, regardez ça. Hein? Alors, c'est pas beau, ça? Donc vraiment, merci à tous de m'avoir donné des astuces. Ça fait bien plaisir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dormir. Peut-être que le prix des diamants roses va changer. Allez, je vais aller là-dedans. Still until morning. C'est parti. Petite nuit de sommeil, ça fait pas de mal. 6h07, on se lève aux aurores. C'est impeccable. Est-ce que le prix des diamants a changé? C'est ça que je voudrais savoir. Non. Il est toujours à 5, mais c'est pas grave. On va les vendre. Ça fait bien plaisir. Impeccable. Nickel. Parfait. Donc, les slimes lumineux aussi, ils craignent le jour. Donc, c'est pour ça que j'ai fait... un enclos comme ça. Par contre du coup on va virer cela. Ouais ouais vous allez dégager vous. Vous allez aller... NON! Faut surtout pas mélanger trois races en même temps. Oui sinon ça donne des machins gris.
Et c'est pas bon. Voilà, on va mettre les machins roses avec les machins roses. Et les machins gris avec les machins gris. Les Pokémon. Voilà comment on va les appeler. Voyez ? Regardez. Il meurt pas hein, quand on fait des trucs solaires comme ça. Par contre, s'il s'envole... Ah bah ouais, faut pas vous envoler trop les gars. Hein, parce que j'ai pas mis de toit. Est-ce que j'ai moyen de mettre un toit ? Donc je vais voir Ernate. Je pense que ça doit être ça. Ernate, Native Source, Barrier, Zad Cover. Yes, mais mais du coup c'est 425 et j'ai pas assez tout simplement. Vous les gars, je vais vous nourrir. Allez-y, mangez. Je vais vous donner un peu de poulet. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va ouvrir un poulailler aussi par la suite. Oula, ça, ça vient ça. Venez les gars. Venez, venez, venez. Non, 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 oh. Dégage toi, personne bouffe mes carottes les gars là. Qu'est-ce qui se passe là? Vous laissez mes carottes tranquilles. Alors, c'est ma récolte ça. Non, 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 non. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt nourrir ceux-là. Est-ce qu'ils mangent des carottes? Les gars, dites-moi que vous mangez des carottes quand même, s'il vous plaît. Si vous êtes pas difficile à ce point-là, non? Putain, ils mangent pas de carottes? Par contre, je sais plus s'il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires comment leur faire pondre des diamants, Ça, je suis pas sûr. Alors, attendez. Et si je leur donnais des diamants roses à manger? Je crois qu'ils vont évoluer. Prends ça. Ouais, ils évoluent en gros machin rose. Et les gros machins roses, apparemment, si je leur donne 30 de bouffe, ils me donnent une clé. Ah si, il y a quelqu'un qui m'a dit ça dans les commentaires. Hein. Ça, c'est sûr, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner des diamants à manger. Voilà. Par contre, vas-y, mange ton diamant, toi, petit. Mange-le. Non, 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 non. Toi, tu vas là. Et mange ton diamant. Bah, vas-y, mange ton diamant. Ou alors? Pourquoi tu veux pas manger ton diamant comme tout le monde? Ah, bah voilà. Donc, ce qu'on va faire. Non, 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 les gars. Oh! Vous restez là-dedans. Viens ici, vous restez là-dedans. Viens ici, vous restez là-dedans. On va leur donner des carottes. Voilà, mangez, les gars. Mangez, mangez, mangez. Yes, regardez. Ça m'a donné des nouveaux diamants. Ça, c'est cool. Ah putain, mais les gars, merde, c'est le bordel là-dedans, sérieux, je comprends plus rien. Toi, tu sors de là. Toi, tu sors de là, t'as pas été invité. Voilà, vous, vous allez aller. Tiens, on va vous entasser là-dedans, les gars. Oui, je sais. On m'a dit 10 à 20 slim par cage, pas plus. Bon, il y en a un peu plus là, certes. Allez-y, les gars, moi j'ai mangé. Toi, tu dégages. Tu dégages de là. Vas-y, les gars, mangez, mangez, mangez. Mangez ces gelates qui régalent. Attends, ils m'ont donné que un diamant. Un diamant gris? Non, non, il y en a un autre. Yes, ça c'est cool. Encore du diamant. Je vais aller vendre ça, les gars. Alors, moi, c'est vrai que c'est un petit peu le bordel dans ma ferme. Dans mon ranch. D'ailleurs, le jeu me fait beaucoup penser à une application que j'ai vachement joué sur Android. Je sais pas si vous connaissez l'application Heyday. Donc fallait s'occuper d'une petite ferme, fallait élever ses vaches, ses cochons. Bon, dans l'esprit, c'est un petit peu le même principe, on va dire. Après, c'est vrai que c'est pas exactement pareil non plus. Oh, yes! 23, ceux-là! Oh, miam miam, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, 23. Je prends. Miam 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 miam. Je prends, je prends. Par contre, les gars. Non, non. Tu rentres là-dedans. Tu rentres là-dedans. Tu rentres... Tu vas rentrer... Eh, tu vas pouvoir faire le malin, mon vieux, tu vas rentrer là-dedans. Alors, c'est quoi ce délire? Bon. Venez ici. Je vais essayer. Attendez, j'ai trop de slim rose là. Il y a beaucoup trop de slim rose. Il y en a trop. On va décimer un petit peu la population là. Il y en a beaucoup trop. Voilà, vous venez ici. On va faire un petit peu de ménage. Désolé les gars. C'est pour le bien de l'humanité. Voilà, faut faire un petit peu de ménage. Il y en a trop. Voilà, hop, ça je prends. Regardez avec mon petit incinérateur. On... J'ai balancé quoi? Merde, j'ai balancé un diamant quelconque. C'est pas grave. Voilà, on va pouvoir faire un petit peu de ménage. C'est impeccable. Putain, il y en a encore de trop. Hein. C'est pas possible, mais ça pousse comme du chien dans ces machins. Hein. Alors, les gars, là. Voilà. Je vais pas non plus décimer toute la population. Mais voilà, un petit peu, ce sera quand même pas mal. Impeccable, nickel. Ça, voilà, ça me plaît déjà plus.
Comme ça, vous, les gars, vous allez pouvoir venir. Toi, tu vas pouvoir venir. Toi, tu viens ici. Ça coûte combien pour déverrouiller ici? 1500. Ok, d'accord. Bon, bah, je suis pas arrivé. C'est parfait. Comme ça, les gars. Hop, vous allez ici. Ici, vous êtes pas assez, je trouve. On va faire un petit peu le ménage. Allez, venez, les gars. Voilà, j'ai à peu près fait le ménage. Autour de la base, plus ou moins, on va dire. Voilà, va ici. Par contre, je vais nourrir. Putain, il y a plus qu'un gros là-dedans. Mais ils sont passés où les autres? Vas-y, mange des carottes. Mange. Toi, normalement, tu vas me donner une clé si tout se passe bien. Oh, bah puis tu me donnes des bons diamants, toi. Ça me plaît, tu vois. Les gars là, vous sortez d'où les gars là? Ah oui, je vais faire un mur après, je vais faire un mur. Attendez, je suis pas arrivé encore. Phosphore plurt. On va aller vendre ça. Combien qu'il vaut? 23, c'est vrai. Tac, et on va vendre celui-ci. Impeccable. Je pense que on va partir en exploration à la recherche d'autres slimes. Ça va être impeccable, donc on va partir par là. Eh, on peut faire... Non, on peut rien faire avec ça. Ok, d'accord. Très bien. Allez, vas-y. Un petit coup de jetpack, ça fait bien plaisir. Ah, par contre, ça, je prends. Ça, je prends, les gars. Des fruits. Faut surtout bien les prendre. Les roses, je vais les lâcher un petit peu. Les roses, pour l'instant, on s'en fout un peu. Moi, ce que je veux, c'est des nouveaux. Par contre, les poussins, je peux ouvrir un poulailler, vous voyez, avec les poussins. On va les prendre. Les diamants roses, je m'en fous des diamants roses, les gars. Vas-y. Ça vaut pas assez cher. On va viser plus haut, maintenant. Faut qu'on vise plus haut. Ça, hop, ça dégage. Ça, ça dégage. Des carottes, ça, je prends. Hop, ok. Des poussins, je prends. Tu vas venir. Oh, par contre, là-bas, il y a de la carotte. Je prends. Ça, je prends. Comme ça, on va ramener tout ça à la base de nos Pokémon. Et ça va être bien cool. Oh, toi. Non. Toi, tu dégages. Attends, quoi que. Ouais, bon, bah, ok, d'accord. T'es parti tout seul. Oui, il y a là-bas aussi. Alors, là-bas, hier, j'ai exploré un petit peu pendant qu'on était en live. Mais je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas vu. Y a un espèce de gros machin et je peux rien lui faire. Ah mais attendez. Faut peut-être que je le nourrisse lui. Non? Oui, il est en train de tout bouffer. J'ai l'impression qu'il me donne rien. Hein. Je vais lui redonner une carotte. J'ai l'impression qu'il bouffe tout lui. Et il me donne rien. Bon, vous me confirmerez peut-être dans les commentaires ce qu'il fait ce gros machin. Pour cette vidéo, je vais éviter d'y donner toute ma bouffe. Parce que j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Il bouffe mais il me donne rien en fait. Donc j'ai combien de fruits? J'ai 20 fruits, impeccable. Je suis plein au niveau des fruits. Je pense qu'on va partir par là. Ça va être impeccable. Petit coup de jetpack. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mon jetpack il est mort ou quoi? Ah non, j'ai usé toute mon endurance, c'est pour ça. Alors eux, si je leur donne des diamants roses, qu'est-ce que ça fait? Ah bah il aime pas ça apparemment. Il aime pas les diamants roses. Par contre ça c'est quoi? J'ai envie d'en ramasser. Rock plort. Ça se vend ça? Je sais plus, j'ai même pas regardé si ça se vendait en fait. Je vais en ramasser. Je vais en ramener un petit peu à la base. Par contre ça ça j'en aurais bien élevé un petit peu. Je vais les laisser de côté pour l'instant. On va pour l'instant les laisser de côté. Les poules, on va les laisser. Moi, ce que je cherche, c'est les poussins. D'accord, très bien. Viens ici, petit poussin. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire avec les poussins, eh ben, c'est qu'on va ouvrir un petit poulailler. Et je pense que ça va être bien cool. Cela aussi, les grilles, là, je pourrais faire un élevage de grilles. Hein. Ouh, par contre, ça là-bas. Putain, ça, faudrait que je ramasse ça. Vas-y, je vais. Hey, t'es malin, toi! Attends, tu vas peut-être me donner... Vas-y, donne-moi un diamant. Donne-moi ça. Je prends. Voilà. Ça, les diamants comme ça, je ramasse. Ils valent plus cher, les gris. Les bleus aussi. Non, alors... Ça, j'en ai... Non, mes diamants! Non, putain, merde, j'ai fait fusionner des machins, moi, merde. Dégage, toi, vas-y. Dégage, tiens. Vers l'infini et l'au-delà, mon vieux. Alors, tac, 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 tac. De la carotte, du coup, j'ai sacrifié mes carottes. Les diamants, les diamants. Ça fait quoi si je donne un...
Oui, ça fait rien. Je voulais donner un petit diamant au poulet. Ça, ok, je m'en fous. Ça, je prends. Toi. Toi, tu vas me donner des bons diamants si je te donne ça. Ouais, tu vas me donner du bon diamant. Voilà. Non, pas toi. Voilà, je prends celui-là. Je vais t'en donner un autre. Parce que je sais que t'aimes bien. Non? C'est bon, t'as plus faim? Bon, ok, il a plus faim. Non, mais dégage, hein, ça va. Et lui, les gros? Si je leur donne des diamants, ça fait quoi? Tiens.